Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Pour cet autre numéro, nous parlons de santé publique. Et vous le savez, le coronavirus est au chapitre de tous les débats, de toutes les éditions d'information. Évidemment, un virus qui a bouleversé l'ordre mondial, l'économie mondiale, les grands rendez-vous culturels et politiques. Qu'en est-il pour la Guinée et qu'en est-il des échanges commerciaux, puisque la psychose va jusqu'à se demander est-ce qu'il y aura des bateaux qui continueront à nous amener du riz, à nous amener de l'huile, à nous amener tout ce qui est denrées alimentaires de première nécessité. Eh bien, la question est posée et pour répondre à tout ça, nous donnons la parole à Monsieur le ministre du Commerce qui donc va répondre à ces interrogations, à ces inquiétudes. Il nous reçoit une fois encore ici dans les locaux du ministère du Commerce. Monsieur le ministre, merci de nous recevoir. Bienvenue à Café Débat. Bonjour. Alors, comme on parlait de coronavirus, ce n'est pas que le côté sanitaire, mais ce virus a un impact économique et financier sur tout le monde entier aujourd'hui. Les pays s'enferment, se barricadent. Et l'aviation, on voit qu'il n'y a presque plus de vols. Les gens aujourd'hui se demandent, est-ce qu'à un moment, on va arrêter les bateaux? Parce que personnellement, moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé au téléphone pour m'apeurer à dire, un moment arrivera où les bateaux ne viendront plus, il n'y aura plus de riz, il faut faire des provisions. Les citoyens veulent savoir aujourd'hui, malgré que les frontières sont fermées, est-ce que on aura toujours des bateaux qui viendront avec des aliments, avec du riz, parce que c'est ce que nous consommons le plus? Non, merci beaucoup de me donner l'opportunité de m'exprimer sur la question. Il est vrai que c'est un sujet d'inquiétude pour les uns et les autres, parce que par rapport à ce type de situation, nous sommes tous analphabètes. C'est une question purement de santé publique. Et nous avons vu les conséquences liées à cette pandémie dans les pays les plus grands, les pays industrialisés, où la machine économique est en train de s'arrêter, ou en tout cas de se ralentir, compte tenu du mécanisme de confinement qu'ils ont mis en place pour protéger les populations, donc empêcher la propagation de la maladie. Mais à ce que je sache, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de problème particulier lié à l'approvisionnement de denrées de première nécessité. Ici, en Guinée, la spécificité que nous avons, c'est que certains produits, nous les importons d'Asie, c'est particulièrement le riz, qui vient de Chine, du Pakistan, de Bangladesh et de l'Inde. Et la plupart des autres produits alimentaires viennent spécifiquement de l'Europe. Notamment en grande partie de l'Europe. Que ce soit l'huile, que ce soit la tomate, que ce soit le lait, en grande partie ça vient de l'Europe. L'oignon? L'oignon ne vient pas de l'Europe spécifiquement. Mais ça, c'est des approvisionnements qui suivent la voie maritime. Et aujourd'hui, à ce que je sache, le dispositif n'a pas encore bloqué l'approvisionnement au niveau maritime. Et d'ailleurs, actuellement à Conakry, nous avons des bateaux qui sont en train de décharger du riz. Il y a des bateaux qui sont attendus au courant du mois d'avril et qui ont chargé déjà en Inde et en Chine et qui doivent accoster au mois d'avril à Conakry pour continuer à approvisionner le marché. Donc on n'a pas d'inquiétude. Et parallèlement, nous avons un peu pris le devant en faisant le point avec les opérateurs qui sont importateurs des produits de denrées de première nécessité. Les stocks sont plus ou moins conséquents. Donc en ce moment, les stocks que nous avons aujourd'hui, au moment où je vous parle, au moment où je vous parle, nous avons 74 000 tonnes de riz en stock. D'accord. Et nous avons 76 000 tonnes de riz attendues au mois d'avril. Donc ça fait à peu près 150 000 tonnes de riz que nous aurons dans un mois disponible sur le marché guinéen. Pour combien de mois? Et quand on sait que la consommation moyenne est de 30 000 tonnes mois, ça veut dire qu'on a une consommation moyenne de 5 mois. Et puisqu'on ne peut pas rester 5 mois sans importer, donc vous savez que c'est une question de c'est un mécanisme revolving qui on consomme, on réapprovisionne, on consomme, on réapprovisionne. Donc cette marge de sécurité, nous essayons de la maintenir au moins sur 3 mois pour que le pays puisse être en sécurité. Donc, on a première information, les échanges commerciaux continuent pour l'instant. Il n'y a pas de mesures de restriction comme dans l'aviation. Non. Parce qu'effectivement, j'ai eu quelqu'un qui me l'a dit,
non, les bateaux sont en train de rejoindre leur point d'origine et on va les arrêter. Donc cela appelle les gens. Donc la première information, c'est que les bateaux continuent à desservir un peu partout. Deuxièmement, on a un stock important ici à date. Ça c'était pour le riz. La farine aussi est beaucoup consommée, donc le pain. Est-ce qu'on a un stock important de farine? Non, l'avantage que nous avons avec le pain, c'est que nous avons les unités industrielles déjà ici. Deux unités industrielles. Donc le blé, c'est la matière première, le blé qui est importé. Tout le reste est fait localement, donc la farine, ça, il n'y a aucun problème. Nous avons les stocks de blé qu'il faut, nous avons la quantité de farine produite par les unités industrielles, nous approvisionnons le pays limitrophe en farine, donc à ce niveau, il n'y a aucun problème. Voilà. Et en termes de santé liée maintenant à tout ça, au port ici, est-ce que vous avez pris des mesures? Parce qu'effectivement, une chose est de débarquer les marchandises, une chose est aussi qu'il y a un stock disponible, mais est-ce que les mesures de santé, d'hygiène sont aussi appliquées à date? Parce qu'il y a des scientifiques qui disent que le virus peut se poser sur telle matière, sur telle autre matière, ça peut faire 24 heures, 3 heures, ainsi de suite. Moi, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, je pense qu'il y a un mécanisme qui a été précisé par les spécialistes qui explique comment la contagion se fait de cette maladie. Je n'ai pas entendu dire que par le truchement des aliments ou la manipulation d'un sac de riz ou d'un bidon d'huile, qu'on peut transmettre la maladie à quelqu'un. Ça, je ne l'ai pas entendu et je ne l'ai pas lu. Donc, à ce niveau, nous n'avons pas d'inquiétude. Mais il faut savoir également que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Le ministère du Commerce n'a pas pour rôle de jouer la prévention sanitaire. Il y a le ministère de la Santé, il y a des structures créées pour lutter contre ce genre d'épidémie, qui ont donné des consignes aux populations et différentes structures de l'administration. Nous sommes tenus de respecter et de faire respecter ces consignes. Donc au niveau du port, je crois que la direction du port elle-même, les structures qui sont au niveau du port, les partenaires qui travaillent avec nous au port, le ministère de la Santé lui-même a déjà pris toutes les dispositions qu'il faut pour mettre le dispositif de contrôle et d'alerte au niveau du port, au niveau de l'aéroport. Et je crois que c'est en cours au niveau des frontières pour que nous puissions plus ou moins contrôler la maladie. J'ai écouté le président Kenya, je crois qu'il s'est énervé contre certains commerçants de ce côté qui étaient déjà dans les velléités de spéculation, d'augmentation des prix avec cette psychose du coronavirus. Donc il les a véritablement menacés. Quel que soit le commerçant au Kenya qui augmenterait le prix en cette période de corona, eh bien, il sera en face de la loi. Est-ce qu'en Guinée, en cette période, vous prenez des mesures pour ne pas que ça arrive, comme ces genres de rumeurs qui se propagent à dire que les aliments ne vont plus venir et de ce fait-là, les gens vont aller au marché et trouver que tel produit a augmenté? Là, est-ce que vous êtes vigilant pour éviter ces spéculations? Nous avons un mécanisme quand même qui nous permet d'avoir une certaine visibilité sur les prix avec les acteurs. Les prix ne sont pas fixés comme ça. Vous savez que l'État quand même accorde certains avantages à certains opérateurs qui importent des produits de première nécessité au niveau de la fiscalité pour permettre de maintenir un certain prix sur le marché afin que les populations accèdent à ces produits-là à des prix raisonnables. Donc l'État veille à ce que ces prix soient maintenus conformément aux accords que nous avons avec les partenaires. Nous avons choisi une économie libérale, c'est vrai, nous avons la loi consacre la liberté des prix. Mais cette liberté de prix n'est pas aussi faite de façon anarchique. Il y a un mécanisme qui permet de le calculer, qui permet de déterminer les marges. Donc tant que nous sommes dans cette proportion, il n'y a pas de problème majeur. Toute augmentation de prix de marchandises, le ministère verra à ce que les prix soient conformes au marché actuel. Voilà. Que les prix n'augmentent pas parce qu'il y a coronavirus des commerçants. Non, coronavirus n'a rien à voir. Vous savez, la spéculation des prix, c'est lié à l'offre et à la demande. À la rareté donc Si le produit est rare, on spécule, on le vend plus cher. Aujourd'hui, j'ai vu que les produits désinfectants à base d'alcool, les gels qui étaient vendus à 30 000, il semble que c'est vendu à 100 000 aujourd'hui sur le marché. Parce que c'est prisé. Ça n'existe plus, il n'y en a plus, tout a disparu, les gens ont fini de tout acheter. Je crois qu'ils ont les mêmes problèmes un peu partout en Europe. Aujourd'hui, ils ont des problèmes pour les masques. Absolument. Il n'y en a plus. Les gens se sont rués dans les supermarchés pour prendre tout ce qu'il y a à prendre, les gels, ainsi de suite. Et il y a même des difficultés aujourd'hui d'accéder à l'alimentation.
parce que la plupart des supermarchés ont été vidés. Complètement vidés. Mais ça aussi, c'est humain, c'est une réaction tout à fait humaine. Les gens cherchent à se préserver en en sachant pas tôt quelle est la durée dans laquelle on va être confiné par rapport à cette maladie. Maintenant que les scientifiques disent que c'est 14 jours maximum, bon, on peut s'approvisionner pour 14 jours au maximum, mais après, on continue à vivre normalement. Et effectivement, c'est psychose comme ça qui commence à prendre du terrain ici, où les gens appellent, il faut faire de la provision, ainsi de suite. Alors, pour terminer, concernant cette question-là, oui, vous dites qu'il y a du stock, du riz, du blé, de l'huile, tout ce qu'il y a pour couvrir au moins 5 mois, avec ce qui va arriver bientôt, n'est-ce pas, de l'Asie. Est-ce que vous avez quand même des actions à partir d'aujourd'hui ou demain pour que les gens voient? Parce qu'une chose est qu'ils entendent ici sur ce plateau, l'autre chose est qu'ils veulent bien voir ces stocks-là de riz, ces stocks de blé. Ben, vous savez, moi je suis pragmatique, moi je ne raconte pas d'histoire. De toute façon, après cet entretien, je dois faire une visite pour aller effectivement me rendre compte de la présence de ces stocks-là dans les magasins. Les médias vont m'accompagner, vous verrez bien ce qu'il y a en termes de stock en riz, ce qu'il y a en huile, et quels sont les efforts qui sont faits pour améliorer tout ça en termes de qualité, pour que les produits qui sont mis sur le marché soient des produits de bonne qualité. Voilà. Donc après cette émission, il y aura donc une visite des dépôts où il y a des stocks de riz et de toutes les autres qualités de denrées alimentaires pour prouver que, effectivement, les marchandises vont continuer à venir et qu'on va couvrir au moins 5 mois en attendant que ce virus soit vaincu, pas que par la Guinée, mais par le monde entier. On va donc observer une petite pause derrière. On revient juste pour parler en 5-10 minutes chrono de baisse de prix du pain, puis de frontières fermées ou pas, tout de suite après la pause D. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Vous l'avez compris, l'invité du jour, c'est M. Boubacar Barry, ministre du Commerce. Notre inquiétude, celle évidemment de beaucoup de citoyens, c'était de savoir, avec la psychose de ce coronavirus, la fermeture des frontières aériennes un peu partout dans le monde, certains se demandaient, est-ce qu'on va continuer à avoir du riz Bangladesh ou de l'huile ou de la farine, ainsi de suite. Il vient de vous rassurer, non seulement il y a un stock important, il y en a qui va venir et les échanges commerciaux, en tout cas via la mer et les ports, continuent pour l'instant. Et après cette émission, ils iront notamment dans les dépôts pour montrer à tout le monde le stock de riz et de ceci ou de cela que nous avons sur le terrain. Donc on va parler d'autres sujets. Là, c'est toujours en rapport avec l'alimentation. Récemment, vous aviez dit que vous avez eu un accord avec l'association des boulangers, parce que le prix du pain était monté à 3500 pour la grosse miche, et puis l'autre à 1500. Et puis après, on devait enlever les 500 francs. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a des boutiquiers qui n'ont pas appliqué le prix. Moi, personnellement, j'achète, ce n'est pas pour me défendre moi seul, mais j'achète le pain toujours à 3500 le matin. Alors, est-ce que quelque chose n'a pas fonctionné pour que tout le monde applique le prix de baisse? Donc, bon, vous savez que le secteur est organisé autour de deux entités, une fédération nationale et une coopérative. Et effectivement, nous avons eu une séance de travail avec la coopérative et la fédération, ainsi qu'avec les industriels, au terme duquel nous avons trouvé un accord pour ramener les prix du pain à l'initial et mettre en place un mécanisme de réflexion pour aider et accompagner les acteurs. La principale préoccupation des acteurs n'était pas liée au coût de la farine, puisque la farine est passée de 230 000 à 240 000 pour l'un et de 240 000 à 250 000 pour l'autre. Et il ne faut pas perdre de vue que nous avions un accord avec les opérateurs sur la base des projections que nous avions faites, en disant que tant que le prix de la farine ne dépasse pas 250 000, le prix du pain reste le même sur le marché. Donc cette augmentation n'a pas changer la donne liée au contenu de l'accord, donc puisque le prix est arrivé à 250 000, donc nous devions rester toujours au même prix. L'aléa qu'il y avait, c'est que les consommables qui sont utilisés par les boulangers devenaient de plus en plus difficiles à obtenir. Le bois. Donc, principalement le bois. Le bois de charbon. Le bois de chauffe. Voilà. Le bois de chauffe qui était extrêmement difficile, donc ils ont posé une doléance pour les aider à diminuer les charges liées à l'approvisionnement en bois pour les fours. Ce que les industriels ont accepté en mettant à leur disposition deux camions
de transport de ce type de produits, en mettant à disposition le carburant nécessaire au fonctionnement de ces véhicules, en leur apportant même un fonds de roulement en termes de subventions pour leur permettre de pouvoir répondre à ces préoccupations-là. Donc sur cette base, nous avons fait cet accord. Je crois que c'est hier que les camions ont été transmis officiellement à la Fédération nationale. D'accord. Pour que le mécanisme se mette en place. Bon, il est vrai que la coopérative s'est désolidarisée pendant les discussions de ce dispositif parce que la coopérative souhaitait que les camions soient utilisés également au transport de la farine, ce que nous n'avons pas accepté. Nous avons dit non. Aujourd'hui, la farine est transportée de façon tout à fait régulière à l'intérieur du pays. Ça ne peut pas changer le prix. D'ailleurs, le prix à l'intérieur ne pose pas trop de problèmes parce que le bois ne coûte pas trop cher à l'intérieur du pays. Le véritable problème, c'est ici à Conakry. D'accord. Voilà, donc on règle le problème de Conakry pour pouvoir homologuer le prix qui a été retenu. Et donc nous sommes dans ce schéma. Je pense que les camions ont été remis hier et nous allons continuer les discussions. Mais parallèlement, nous avons identifié des sites au niveau de Conakry avec l'appui du ministère de l'Habitat pour pouvoir lancer enfin le projet de modernisation des fours. Avec les industriels. Les industriels vont accompagner, ils vont financer la construction de fours modernes. Nous allons mettre des fours pilotes à travers les 5 communes. Je crois que chacun des industriels fera 2 ou 3 fours modernes. On va voir comment ils fonctionnent parce qu'il faut qu'on sorte de ce mécanisme archaïque qui nous amène à utiliser le bois pour faire du pain. Vous savez déjà les problèmes d'environnement que nous avons. Et au fur et à mesure, nous allons continuer à détruire la forêt. Au fur et à mesure, on va avoir des difficultés pour avoir du bois. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la sous-région, nous sommes le seul pays, la CEDEAO, qui travaille avec le bois de chaux pour faire du pain. Donc on va sortir du tapalapa pour entrer dans le pain Imbaya. Bon, alors, je ne sais pas si c'est le pain Imbaya ou autre, mais je sais que quand vous sortez de Guinée, vous mangez bien du pain. Bien sûr. Et ce n'est pas du pain tapalapa. Et pour terminer, l'autre question. Récemment, vous aviez décidé de fermer les frontières terrestres. Donc, il y avait beaucoup de camions qui s'étaient, qui avaient formé toute une ligne, toute une chaîne à nos frontières. Est-ce qu'aujourd'hui, la décision, elle reste toujours maintenue? Les frontières terrestres sont fermées ou est-ce que la décision est levée? Non, la décision a été levée depuis. Ouais. La décision a été levée. Bon, la décision avait été prise conformément aux informations que le gouvernement avait. Vous savez, nous sommes entourés de pays quand même où il y a beaucoup de turbulences, il y a des questions de terrorisme et tout ça. Pour des questions de sécurité, des alertes avaient été données au gouvernement par rapport à des mouvements potentiels de terroristes et d'armes à travers la sous-région. Donc les mesures conservatoires ont été prises pour pouvoir fermer les frontières afin de s'assurer que tout ceci n'était que des velléités et en réalité n'ont pas pu se produire. Et lorsqu'on a constaté que ce n'est pas le cas et que l'administration, en tout cas les services de sécurité, aient pris toutes les dispositions adéquates pour pouvoir contrôler la situation, les frontières ont été ouvertes et je crois que les opérateurs sont en train de continuer à faire leurs transactions, en tout cas pour ce qui concerne la sous-région, entre notre pays et les pays limitrophes. Mais il y a toujours encore une nouvelle menace à peut-être une éventuelle fermeture des frontières. Et comme on le dit souvent, l'État, c'est l'anticipation et tout et tout. Si jamais, parce qu'aujourd'hui, il y a une forte pression sur le gouvernement à dire pourquoi jusque-là, on n'a pas fermé nos frontières, qu'elles soient aériennes ou terrestres, alors que d'autres pays l'ont fait à cause du coronavirus. Si jamais cela arrivait, que le gouvernement décide qu'on ferme les frontières, cela va impacter votre secteur une fois encore pour les échanges commerciaux. Est-ce que vous prévoyez déjà des mesures exceptionnelles pour ceux qui importent via les frontières terrestres? Il faut qu'on soit conséquent. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, nous étions dans l'épidémie de Ebola. Certains pays ont fermé leurs frontières. Frontaliers de la Guinée ont fermé leurs frontières. D'autres ne l'ont pas fermé. Est-ce que pour autant nous avons transposé la maladie dans leur pays? Je ne pense pas. Il faudrait simplement être préventif, être attentif. Les populations sont les mêmes, les coutumes sont les mêmes, nous sommes interdépendants, nous sommes dans un marché commun qui est celui de la CEDEAO, nous sommes tenus à la solidarité entre nous, et donc il n'y a pas de raison
que nous ne puissions pas continuer à mener nos activités commerciales en prenant les garde-fous qu'il faut. Mais si cela s'imposait à vous? L'impossible nul n'est tenu. Mm. Si cela s'imposait, on serait obligé de prendre les mesures qu'il faut. Mm. Mais comme j'ai dit, il faut prévenir. D'accord. Il faut prévenir. On ne prend pas des mesures comme ça à la légère. Mm. Pour dire on ferme pour fermer, on ferme pour un bien, pour une cause bien fondée, mm-hmm. en espérant des résultats adéquats pour le pays. Bien. En tout cas, tout ce qu'on peut espérer et souhaiter, c'est qu'on n'en arrive pas là et qu'on arrive à juguler en tout cas la présence de virus dans notre pays. C'est tout ce qu'on peut souhaiter et c'est tout ce qu'on pouvait dire au compte de cette émission, à moins que vous n'ayez des précisions à apporter, quelque chose à dire aux citoyens dans ce contexte. Bon, peut-être attirer l'attention des uns et des autres qu'il faut faire très très attention. Il faut se prémunir des conseils qui sont donnés, des orientations et des dispositions qui sont préconisé par le ministère de la Santé pour que chacun puisse préserver sa propre santé et la santé de ses proches. C'est extrêmement important. Vous avez vu que les pays occidentaux qui ont un niveau de développement extrêmement élevé avec un système sanitaire hyper performant, vous avez vu les difficultés qu'ils ont. Dans nos pays, nous sommes encore à des situations un peu difficiles dans le secteur de la santé. Donc si nous avons des épidémies comme ça, ça peut nous poser énormément de dégâts. Donc il faut que les gens soient conscients que c'est une maladie dangereuse et que nous devons nous prémunir de tout ça. Bon, au niveau du commerce, nous faisons beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité des produits. D'ailleurs, nous allons recevoir ces jours-ci des équipements de dernière génération pour l'Office national de contrôle de qualité. Je vous inviterai d'ailleurs à la réception de ces équipements. Avec plaisir. Voilà, nous avons fini de renouveler le nouveau laboratoire que vous verrez, et vous verrez que les équipements qui sont mis là sont des équipements vraiment de très très haute technologie. Et on a même des difficultés hein, parce qu'il faut former rapidement du personnel, les jeunes à l'utilisation de ces équipements. Toutes nos félicitations de passage. Une fois encore, merci. 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 Voilà, on ne peut pas se serrer la main. Consigne coronavirus, c'est notre façon de faire la sensibilisation dans cette émission, évidemment. En tout cas, merci à tous et à toutes pour votre attention. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.